Chapitre 11, en vie. Retour au château. Chapitre... Début chapitre 11 sur 17. Et on est à 6h22 de live. Amicia! Vous avez réussi? Attrape! Je te préviens, il sent un peu le brûlé. Non, il est gamin rosé. C'est qui, lui? Roderick. Après, je suis pas passionné non plus de Xenoblade. À part de... Ça raconte quoi, ce livre? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va très vite guérir. Je suis mort de faim. Quelqu'un d'autre? Moi! Alors à table. On l'a bien mérité. Toi aussi? J'arrive. Point d'exclamation planning, les gamins croisés. T'as la programmation des jeux à venir. Quasi exhaustive. Jusqu'à janvier 2023, pour te dire. De toutes les sorties de jeux que je vais faire. C'est pas tous les jeux que je vais faire, c'est toutes les sorties de jeux que je vais faire, c'est pas pareil. Ok, c'est écoulé 3 semaines, donc ils ont passé au château. N'hésite pas à aller voir la commande. Non, non! Tu sors un peu ce qui t'attend. C'est pas du boulot, ça. Eh, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière? Eh ben, Hugo dort, alors... Allons jeter un coup d'œil. Ça, au moins, je sais le faire. Oh putain... C'est vraiment un bœuf. Et voilà. Eh ben, c'était... efficace. Et presque sans douleur. Allez, en avant. C'est vraiment un bœuf, garçon. Tu sens ça? Non, quoi? Quand tu entres dans un endroit abandonné depuis très longtemps, il y a quelque chose dans l'air. Oui, de la poussière. Non, on va voir quoi, c'est 17 ans, Roderick. C'est comme surprendre une conversation. Mmh. C'est la première fois que je le sens ici. Ouais, tu dirais 17 ans. Mmh. Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue. Bien sûr. Par hasard, voyons. Le feu est à Bordeaux. Où ça nous mène? Oh, c'est la cour. Ça ferait un raccourci. Instruments, les munitions, les gnifs. Ouf. Oh, j'avais oublié. J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la cour tout à l'heure. Viens voir. Encore une histoire de pierre? Ah, tu crois pas, c'est bien dire. Suivre Rodek. Alors, moi je veux bien, mais je l'ai perdu de vue. Non, mais il y a un compo devant. Les compos, Nat. Comme ça, voilà. Oui, mais moi au moins j'arrive à survivre. Bim. Bim. Même en me perdant, je finis un jour le jeu plus rapidement que toi. Une fresque. C'est... Ça me dit quelque chose. On reprend les symboles des piliers. Dans la grande salle. Comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia! Viens vite! C'est Hugo! Oh non! J'arrive! T'as besoin de moi? Je t'appellerai! Allez! J'arrive. Je sais que je suis pas dans mon sens. Je voulais juste aller voir les ratous. Est-ce que la piscinera elle est toujours active? Ou est-ce qu'ils sont morts depuis le temps dedans? Ouais. Ah, c'est. Non, là elle est vide. Hein. Ah oui, c'est qu'il fait jour en plus. Ouais, ils sont tous morts. Quoi. Bon, retrouvons maintenant Lucas. J'arrive, Lucas, je te vois. Au moins, je ne t'ai pas perdu de vue. Je dois aller voir Hugo. Oui, oui, je sais. C'est les questions sur le planning après les gamins croisés. Je suis là, Lucas. Vite, je suis pas un Hugo. Passionné. Oh mon Dieu. Je suis pas un passionné de JRPG. J'aime bien ça. Mais c'est pas, de pierre en pas, pierre. C'est pas mon truc principal. La macula progresse beaucoup trop vite. Je sais bien, Amicia. Je fais de mon mieux. J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius? Non, non, un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous... Tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel,
Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Amicia, Lucas. Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Hein? Ellie, tu l'as retrouvé. Plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on est venu parce que, eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie. Donc elle était pas morte. J'en voulais pas pour le coup. Tu as réussi à faire sortir Arthur. Mais s'il la montre pas morte. Crois-moi, mais tu pourrais. Oublie ça. Moi j'étais rien pour eux. Mais elle. Elle est trop précieuse pour le Grand Inquisiteur. Il. La questionne. Régulièrement. Il la. Torture ? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourrait l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir? Non, on ne dit rien, c'est tout. Oh non! Hugo! Hugo! Le prochain seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi! Maintenant! Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère, je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le Sanguinis Itinera, quelques potions, et on y va. Ah oui, il est rapide, chapitre 11, effectivement. Il y en a des vraiment très très courts.